Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je suis en pleine aventure. Je suis au Wasigenstein, ça s'appelle, et je voulais vous parler d'un truc en fait sur le cours de route. Il y a un truc qui m'est venu, donc je voulais vous parler un peu de patience. Donc trop souvent, que ce soit au niveau du sport, au niveau de peu importe en fait, on a souvent un gros manque de patience. Moi-même, j'ai des manques de patience. Je suis trop souvent impatient. Je veux voir trop vite des résultats, mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, malheureusement. Donc, du coup, un grand conseil que je peux vous donner pour avoir des résultats sur le long terme et qui durent, c'est d'apprendre à devenir patient. Je sais que c'est pas facile tous les jours. Je sais que moi-même, je suis souvent impatient et j'aime pas quand je dois attendre trop longtemps. Donc, du coup, je m'énerve assez rapidement. Mais ça s'apprend, et avec le temps on peut apprendre à devenir de plus en plus patient et donc pouvoir effectuer de plus en plus de choses à l'avenir. Moi, je suis un peu essoufflé parce que je viens de me taper le genre de chemin comme ça là derrière. Donc je suis en train de tourner une vidéo qui va apparaître sur la chaîne dans pas longtemps. Donc elle sortira avant ou après celle-ci, je sais pas encore. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un petit insight comme ça au niveau de la patience et de l'impatience. Donc sachez que l'impatience, ça va pas bien marcher avec votre objectif de perte de poids, de gain de muscle ou peu importe en fait. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'apprendre à devenir patient, parce qu'en fin de compte, la musculation, ben c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Ça se fait sur le long terme. Même s'il y a des gens qui vont vous vendre un programme à 2000 €, ils vont vous dire vous allez perdre 10 kilos en 2 jours. Ne croyez pas ces gens. À moins que, voilà, c'est peut-être des substances illégales ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Si vous êtes 100% naturel, oh, je vais me casser la gueule. Donc si vous êtes 100% naturel et que vous voulez avoir des résultats rapidement, travaillez votre patience. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner, que ce soit dans votre vie personnelle ou au niveau de la musculation. Travaillez votre patience et n'oubliez surtout pas, les rêves ne s'accomplissent pas si vous ne faites rien. Donc passez à l'action maintenant, mettez des choses en place dès aujourd'hui pour voir des résultats demain ou après-demain ou dans le futur. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je pensais important de revoir ce principe de patience avec vous. Donc voilà, je vous vois dans la prochaine vidéo, et donc du coup je vous dis à la prochaine, salut. I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away.